Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et bien pour enfin la sortie de The Survivalist par le studio Team 17 qui est derrière, et bien Worms. Notamment, c'est un jeu où il va falloir construire, survivre sur une île déserte où on va chasser ou bien être chassé par la faune locale, notamment avec foule d'ennemis mythiques. Et il coûte 24,99€ sur le Nintendo eShop. Il pèse exactement 964 EMB, ça fait beaucoup, 964 EMB. Il est dispo depuis le 9, au jour où on tourne cette vidéo, en fait. Et voilà, tout simplement. Donc, eh bien c'est lancé, voilà. On y va et on va découvrir tout ça ensemble. Je n'ai pas encore lancé. Comme d'habitude, c'est un jeu à génération procédurale, c'est-à-dire que tout est généré aléatoirement. Si vous lancez une partie, vous n'aurez pas la même que quelqu'un d'autre. Voilà, et c'est pour ça que c'est en train de changer, un peu comme Minecraft, si vous voulez, voilà, si vous voulez un élément de comparaison en termes de procédural. Voilà, et donc il faut survivre. Vous avez des petits singes qui vont vous aider à construire plein de choses, apparemment. Apparemment, en tout cas, c'était le pitch principal du jeu. Ah, c'est vraiment en train de charger. Le chargement est sympa, tu vois. On rassemble les animaux. Faut toujours des petites blagues comme ça. Ah, regardez les petits singes. Il y a du monde là maintenant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok, c'est en train de charger, c'est pour ça que c'est en train de... Bon. Jouer. Ah, ça y est, on est là. Allez, fraîche écume de Poséidon. Alors par contre, derrière ma caméra, il y a la carte. C'est la carte. Donc on va se mettre comme ça. Alors, vous avez des conseils qui expliquent comment jouer au jeu. Absolument. Où suis-je? Qui suis-je? Déjà c'est joli, j'aime beaucoup le pixel art comme ça. Dans l'onglet profil, vous pouvez personnaliser votre apparence en sélectionnant des accessoires faciaux et une coiffure. Changez la couleur des vêtements et de la peau de votre personnage en appuyant sur A. Ok. Vous me dites sur le stream si le son n'est pas suffisamment fort. Parce qu'en fait, le son du menu était fort, mais j'ai l'impression que là, on a perdu en son. Couleur de peau. On peut tout mettre. Merci, God Luffy, pour ton sub. Comme ça, en tout cas. Corps A. Ah, on peut se mettre genre en mode... Ah ouais, pas mal, ça. Chauve. Non. Excellent. Ah, en mode survie, comme ça. Avec non, le mulet, non, c'est bon. Brosse. Afro. Chauve. Négligé. Moustache. Impérial. Barbe en broussaille, carrément. Chemise. On va tout laisser comme ça. On va tout laisser comme ça. Pantalon de cette couleur-là. Excellent. Ok. Ça, ce sont les différents trucs qu'on va avoir à faire. Alors, vous avez récupéré une entrée de journal d'un autre survivant. Vous pouvez lire cette entrée dans l'onglet Meet en appuyant sur le journal. Ok, on va aller voir. Vous avez reçu votre première carte au trésor. Les cartes au trésor sont répertoriées dans l'onglet Cartes. Ok, trouvez l'emplacement dans l'édition pour trouver les trésors perdus. Ok. Très bien. Alors, attends. Viens voir. Attends, c'est quel onglet? Ok, celui-là. Naufrage. La tempête est la dernière chose dont je me souviens. Mais ce n'était pas une tempête ordinaire. La mer est devenue mauvaise et tout à coup, autour de moi, ce n'était que des vagues hautes et des nuages noirs. Entre deux vagues, je pouvais voir une sorte de portail de couleur verte en train de s'ouvrir et à présent, je suis ici. Mais où suis-je? Quoi qu'il en soit, je dois survivre. Je pourrais peut-être fabriquer quelque chose d'utile avec les cailloux sur la plage. Alors, on va voir déjà, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des galets. Ah, bien, non, je peux devoir tout prendre. Transférer tout, c'est ça. Ok. Les objets simples peuvent être fabriqués dans votre main en appuyant sur X ou croix, d'accord. Très bien. Je vais tout déplacer. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Vous devez manger pour éviter la faim, pour consommer. Vraiment un jeu de survie de ouf. Hein. Merci de ton follow, Patache. Pour consommer la nourriture, sélectionnez LWR puis appuyez sur Y pour manger. Très bien. Alors, voyons voir. Donc, je quitte ça. Bon, ma jauge de vie a l'air d'être bonne. Donc, apparemment, je peux construire des trucs directement. Ok, je peux courir. Catacombe de crypte. Ah oui, d'accord. Avec ma main, je peux faire ça. Alors, demandez une arme à vos amis. Ça, c'est les différents emojis. Ok, c'est pour consommer. Alors, ça, c'est pour consommer. Ok. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Ah, cool. Pas mal, ça. Pardon. Ramasser les galets. Ramasser les galets. Ramasser les galets. Ouais, le pixel art est très sympa. Construction. Ok, c'est avec le petit truc derrière. Sélectionnez un plan à placer dans le mode plan, appuyez sur A. Une fois qu'il est à l'endroit souhaité, appuyez sur A pour le poser le plan, ensuite construire en quittant le mode plan. Ok. Lit fragile. Tu sais quoi, je vais le mettre là pour l'instant. Ok. Après, à placer un plan, vous devez y ajouter des objets de recette. Approchez-vous du plan avec ces objets, puis appuyez sur A. Une fois la recette complète, équipez un maillet pour commencer la fabrication. Ok. Je peux pas parce que j'ai pas ce qu'il faut.
Ah, j'ai une jauge d'endurance en bas de l'écran aussi, je vois. Attends, il y a des choses sur la plage là. C'est quoi ça? La mystérieuse boutique. En rationnez les aides, vous ne connaissez rien à la survie. Visitez la mystérieuse boutique. Nous vendons tout un tas d'articles spécialement pensés pour votre confort. Vous devriez pouvoir nous trouver, nous sommes sur cette île. Attention, la vie insulaire peut se montrer rude pour les nouveaux arrivants. N'hésitez pas à prendre le temps de vous préparer avant de partir en expédition. Oh, je pense qu'on est parti sur une bonne grosse vidéo d'entrée là pour essayer de découvrir le jeu. Alors, ah si, X pour sélectionner une recette. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire d'entrée de jeu? Je peux faire une hachette. Ok. Ok, sélectionner la hachette une fois équipée pour débiter avec la hachette en appuyant sur Y. Très bien. Ah, voyons voir. Là, c'est la hachette. Et ils m'ont dit... Ok. Excellent. Excellent. Ah, cool. Wow. Oh, j'adore. Ah, c'est vraiment le truc de survie. Vous me dites hein, pour le son si jamais il y a des problèmes. Hein. Si jamais vous entendez mal et tout. Hein. Ah, je vais pouvoir construire mon petit lit de fortune et tout. Du coup, je découvre des plans au fur et à mesure, c'est ça, je suppose. Okay. Ah, oh, oh, petit singe. Salut, toi. Vos amis les singes peuvent faire tout ce que vous savez faire. Assignez-leur des rôles via le mode imitation de singe en appuyant sur ZL. Ok. Genre, là, les singes m'apprennent en imitant. Singeant, évidemment, vos actions. Allez dans le mode imitation, placez votre curseur sur le singe, appuyez sur X pour qu'il vous observe. Quittez le mode imitation pour qu'il enregistre vos actions et les apprenne. Essayez de frapper un arbre pendant qu'un singe vous observe pour qu'il prenne le rôle de bûcheron. J'adore! C'est top! Qu'est-ce que j'ai en objet que je peux fabriquer? Où est-ce que je récupère de l'herbe? Vous trouverez une carte du monde sur l'onglet pour replacer des repères. Ok. Spéciale. Il s'appelle Chaussette. Ok, ah, il y a la nuit qui est en train de tomber en plus. J'aurais aimé trouver de l'herbe. C'est une grotte ça. On peut aller dans des grottes quoi. Excellent. Ah mais j'ai pas de... J'ai pas de torche. Ah excellent. Ok, le soleil est en train de se coucher. Ah, notre singe. Les singes sauvages vous demanderont de leur apporter un objet pour gagner leur confiance. Vous n'avez qu'à poser l'objet qu'ils demandent à côté d'eux et vous ferez un nouvel ami singe. Ok, qu'est-ce qu'il veut lui? J'ai pas ça. Oula, qu'est-ce que c'est ici? Pour sauvegarder la partie, vous devez dormir dans un lit. Mais d'abord, faut fabriquer. Essayez avec moi de construction avec ZR, ok. Attends, on cherche. C'est quoi ça? Bouclier romain. Vendable. Ok. Ajouter. Ok, la nourriture cuisinée vous rapporte divers bénéfices. Certaines recettes qu'on le voit trop fin, d'autres vous apporteront des soins, en maximum, ah oui, permettront même d'augmenter votre santé maximum et votre endurance. La nourriture ne périme jamais. Ok, vous pouvez stocker ici, alors choisir recette. Les singes peuvent imiter vos actions, utiliser les établis. Placer un singe en mode imitation, puis placer un objet de recette dans l'établi, que le singe vous apporte des ingrédients. Ah, utilisez un maillet pour cette recette terminée pour qu'un singe fabrique votre place. Ok, attends. Smoothie de fruits. C'est bien, mais attaquez vos ennemis. Ouais, je vais faire ça pour voir. Attends. Attends, je vais essayer d'attaquer pour voir, déjà. Ok. Pas mal. Ramasser les restes de viande, les ailes de chauve-souris. Alors, là, je suis dans les herbes. Mais... Ah, super, j'en ai là. Voilà, c'est ça. Herbe longue, excellent. C'était les petits trucs. Je vais laisser ça... Attends, non. Merde. Non. Merde. Merde. Attends. Ouah. La violence. Ok, c'est bon. Ouah, la violence des chauves-souris. What? Il faut que je mange un truc, en plus je suis dans la merde. Faut que j'aille faire cuire la nourriture après. Attendez. Je vais déposer la touffe de poils. Je vais récupérer l'herbe. Parce que j'ai assez d'herbe du coup pour faire ce que je veux. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut lui donner à lui? C'est pas ça que tu veux? Non, c'est pas ça que tu veux. Tu veux autre chose. Hein. Ok, je vais aller faire le lit. Merde. Composant de recette. Oui, alors pour faire ça, il me faut ça. Couche confortable. Mais il me faut ça d'abord. Donc il faut un comme ça. Ok.
Je dépose ça, je récupère ça, je fais la petite couche en bois, enfin la couche comme ça. Je peux ajouter ça, équiper le maillet. Ça c'est la hachette, il faut que je refasse un maillet parce que je l'ai donné au singe, évidemment. Ok, équiper le maillet. Paf, fabriquer. Attends, je peux faire quoi là? Ah, drap de fortune, bâton en bois, fabriquer. Ok. Ok, super, besoin de draps. Donc, je vais faire des draps. Il me faut un comme ça. Ah, j'ai plus assez d'herbe. Attends, je peux pas choper des baies là-dedans? Il me faut des baies. Oui, des baies! Des baies! On a des baies! On a des baies! Attends, il m'en faut d'autres. Il m'en faut d'autres, puisqu'il faut que je leur fasse leur bouffe, là, pour qu'ils me rejoignent. Attends, je ramasse tout ça. On va avoir vraiment tout ce qu'il faut. Il me faut tout ça, et du coup, je vais aller leur faire à bouffer. Je vais leur faire à bouffer, là, les deux singes, et comme ça, après, ils peuvent me rejoindre et m'aider. Boum. Ah, je peux lui demander de le faire, sinon, au singe. Je vais lui demander de me singer. Ça va être plus simple, attends. Tiens, monsieur, imitez l'action du joueur. Voilà, merci. Du coup, clac, et fabrique. Et tu feras les prochains. Ok, fabriquer. Vas-y. Fabriquer. Excellent. Et ajouter, fabriquer. Fabriquer. Comme ça, j'ai les deux. Vous pouvez imiter le nombre d'objets qui se fabriquent consécutivement. Ok, maintenant. Ah, je peux le choisir. Ok. Ok, je ramasse ces deux-là. Et là, je vais aller les donner aux singes. Attends, il y en a un ici. Regarde. Eux, ils veulent la même chose, les deux. Tiens, je te donne ça. Prends. Tu vas où? Mec, mais tu vas où? Ramasse-toi. Tiens. Attends. Tiens, prends. Pourquoi tu prends pas? Tiens, donnez objet. Ah oui. Vous pouvez modifier la couleur de vos amis singes depuis l'onglet. Sélectionnez un singe dans la liste, puis appuyez sur A. Ok. Attends. Je vais donner, là. Ouais, je vais donner. Ok. Vas-y, viens avec moi. Suis-moi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Attends, je vais donner ça à le deuxième là. Comme ça, le deuxième il vient avec moi également. Donner l'objet. Excellent. Alors, un singe a été dressé. Alors, voyons voir. Du coup, dans mon onglet, je dois pouvoir changer la couleur de mes singes. Merci, Perdet. Merci beaucoup. Définir la couleur. Ouais, je sais, il faut que j'aille manger après. Genre, ce petit singe blanc. Jack Panda, trop mignon. Les deux blancs, je vais les mettre avec moi et lui, je vais le laisser comme ça. Ah oui, il faut absolument que je mange parce que là, je suis dans la merde. Je vais manger ça, attends. Je vais pas manger ça, c'est vraiment pour eux ça. Reste de viande. Faut que j'aille me faire des brochettes. Merci beaucoup pour ton sub. Attends. Alors. Annuler, choisir une recette. Deux restes de viande. Ok, je vais faire ça. Ajouter, et il me faut le maillet. Enfin, vraiment, j'utilise le maillet à chaque fois que je fabrique un truc. Hein. Ok, fabriquer, vas-y. Attends, on m'attaque là. C'est quoi cette espèce de truc en pleine forêt? Attends, c'est quoi? Écraser humain. Super, merci. Attends, t'es où, mec? Je t'ai vu en plus. Attends. Ok, là, ici. Attends, j'ai chopé mon épée. Non! Attends! Il fait mal. Il fait mal. Allez, ça dégage. Justement, ok. Ok, j'ai récupéré de l'or aussi. Waouh, mais c'est quoi ce mec? C'était quoi ce gars? Attends, je ramasse tout ce que j'ai, tout ce qui est là. Ah, j'ai découpé plein d'herbes. Ça devient pour nous. Ah non, il a tapé mon singe aussi. C'est tabu. Attends, mais parce qu'il protégeait cette espèce d'endroit là au milieu de la forêt. Allez, attends, il est pas tout seul, il était pas tout seul. Oh la vache! Oh non, il y a un arc! Non, c'est votre barre de santé, vite, vous vous émanoucez. Ok, attends, je suis pas mort. Pas encore, attends. Oh la vache! Attends, mais qu'est-ce qu'ils protègent là? Il me restait une brochette. Qu'est-ce qu'ils sont en train de protéger? Ajouter. Alors, il me manque. Je peux en faire une ou pas? J'ai plus de cordes. Attends, je peux faire ça. Ok, j'en refais un. Ça donne accès à quoi ça? Regarde, ajouter l'objet. Je prends ces articles. Ok. Et il y a des mystères partout. En fait, t'as plein de trucs de construction à faire. Et je sais pas du tout. Il y a des trucs partout. Rechercher. Il y a quoi là-dessus? Tableau. Ok, je le prends. Oh, par contre, il fait nuit. Il faudrait peut-être retourner à notre camp. Attends, rechercher. Il y a quoi là-dedans? Un totem sanglier vendable. Une page de journal d'un autre survivant. Je me demande si ça provient. Vous avez un nouvel élément de mythe.
Avgor, fils de Jerry, troisième partie. On a 420 pièces d'or, je ne trouve pas loin de m'échapper, je n'ai vu passer aucun avenir, celui est un enfer, je cherche la rédemption, un passage vers le Valhalla, où mes frères et moi pourrons fêter nos retrouvailles. Attends, je fais attention parce qu'on va se faire attaquer, il y a des chauves-souris et tout, attendez, on verra plus tard. On verra quand on sera rentré chez nous, parce que là c'est la merde, il y a plein de trucs. Drone, drone décoratif garanti jusqu'en 2817. Il faut absolument qu'on retourne chez nous là. Attendez. Ouah, qu'est-ce que c'est que cet endroit là? S'asseoir, porter. Ah, c'est un siège. Oula, il y a eu du bordel ici. Morbidos. Mais en fait, la carte, elle est immense. C'est immense, en fait. C'était pas un mec, ça? Attends. Vous avez trouvé un donjon. Excellent! Attends, attends, on va recruter le singe aussi. Je suis à fond. Je suis vraiment à fond. Donner objet. Tu veux pas? Ah, attends. Je peux pas, je l'ai pas, il faudra que je refasse. Hein. Attends, j'ai un donjon carrément ici. Ouais, mais attends, j'ai trop d'objets. Les donjons et labyrinthes sont des lieux dangereux, pleins d'énigmes et de trésors. Si vous parvenez à la fin du labyrinthe, vous recevrez peut-être un objet qui vous aidera à vous échapper des îles. Ouais, mais attends, deux secondes, parce que, en fait, il faut que je mette un... Alors attends, zoomer, dézoomer. Je vais zoomer, je vais juste mettre... Ah oui, le donjon a été marqué. Ok, il faut que on va retourner à notre camp. On va retourner à notre camp. Ah, je peux rajouter des trucs ici. Attendez, on va essayer de faire un truc. Il me faut ça, il m'en faut deux. Il y a des trucs partout à faire, c'est impressionnant. Je vais en faire deux. Ok. Je vais lui donner, là, lui, l'espèce de statue. Ramasser le maillet, ajouter. C'est le meilleur des cadeaux. Je sais pas à quoi ils servent. Il y en avait deux. Je sais pas à quoi ça sert, ces deux-là. Regardez. J'ai donné... Il y en a peut-être plus. Attendez, on va essayer de retourner chez nous pour nous reposer. Parce que c'est la nuit. Et la nuit, c'est un peu le bazar. J'ai l'impression. On va se mettre notre épée dans la main. Attends. Ok, c'est bon. J'ai eu la chauve-souris. Je ramasse tout ce que je peux aussi. Tant qu'on y est. Ah, mais c'est un bordel la nuit. C'est un délire la nuit. Hein. Attends. Allez, salut. On ramassera tout ça plus tard, il faut que je rentre à la base. Bon, en tout cas, on sait qu'on a plein de bois par ici. Pour pouvoir construire des murs en bois autour de chez nous. Ou alors, on fait un deuxième camp de fortune ici. Attendez, est-ce que je peux faire un... Il y a le lit. Lit léger augmente la santé maximale et sauvegarde la progression. Ça peut être pas mal, ça. Genre, j'en fais un ici sur la plage. Pour ça, il me faut pas mal de choses. Il me faut du bois. Alors, attendez. Il me faut ça. Déjà, il m'en fallait combien? Ah, c'est pas ça qu'il me fallait. Si, ça, pour faire ça. Ok, ça, il me faut ça, il me faut ça. Je vais déposer les trucs sur le sol pour l'instant. Je récupère ça, je récupère ça. On fait la couche confortable. Ok, couche confortable, ajoutée. Il nous faut également des... Ah, il nous faut des clous et du bois. Ah, c'est pas la peine, je les ai pas. Je les ai pas les deux. Donc c'est juste pas la peine. Je vais aller. On fera ça un peu plus tard. Bon, je suis sûr que. Est-ce qu'on peut aller dans les. On peut aller dans les cavernes qui sont là avec nos. Avec la torche qu'on a découvert. Ok, j'ai mon lit qui est ici. Bon, celui-ci me donne pas grand chose, mon lit. Il permet juste de sauvegarder pour l'instant. Ok, sauvegarder. Excellent. Allez, on va retourner jusqu'au donjon à ce moment-là tout de suite. Bon, l'entrée du donjon est derrière. On va déposer des objets, tout de suite. Je vais déposer pas mal de choses. Histoire de pouvoir aller... drone, et ça. Ok, je prends mon épée. Ah, j'aurais peut-être pu équiper les singes de d'armes. Attendez, je vais donner des armes aux singes. Non, attendez, vous allez m'attendre là, les gars. Annuler l'action des singes. Voilà, vous restez là. Vous m'attendez ici. Attends, il se barre. Non, c'est bon. Quand j'appuie sur ZL, ça les regroupe. Ok, donc je les laisse vivre un peu pendant ce temps-là. Je vais aller m'aventurer tout seul dans le donjon. On va aller voir. Allez, c'est parti. Oh, c'est stylé! Mais c'est ultra stylé! Oula, c'est quoi ça?
qui me tire dessus. What? Oh! Oh la vache! Oh la violence! J'ai pas pris de nourriture en plus. Ok, je peux casser ces boîtes là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, on a des planches! C'est là qu'on récupère les planches pour se faire des. C'est là qu'on récupère des planches pour construire notre lit. Dans cette chose là. Ok, c'est ici. Ramasser de la boue, des cordages. Il y avait une chauve-souris que j'ai vue. Oh, c'est exceptionnel ça. Vous tomberez parfois sur des fosses que vos singes ne pourront pas franchir. Essayez de construire un pont par-dessus à l'aide de poteaux multi-usages et de sol en bois. Ouais, mais les singes là, ils sont pas avec moi là. Oh la vache! Il y a du monde! Oh merde. Ils sont chauds les donjons. C'est un truc de malade. Salle terminée. Ok. Ah ouais d'accord, ça me donne une clé. Non mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ah, je peux choisir des recettes, je peux fabriquer des choses. Elle croquante à manger. Vas-y, fabrique ça. J'ai pas de maillet. Merde, j'ai pas de maillet. Non, il manque du bois pour le faire. Merde. Attends, annulé. Je vais déposer mon épée 2 secondes. Je vais ramasser les baies, je vais les manger. Ça sera déjà ça. Reste de viande, je peux pas les manger, il faut que je les cuisine d'abord. Oh. Ok. C'est génial. Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a une voiture, excellent. Il y a une épave de voiture. Mais non. Transférer. Ah, je peux mettre des choses dedans. Transférer tout. Ah, je peux mettre des choses dans la voiture. Ça sert de coffre. Ok. Merde, où est mon épée? Ok, y'a rien dans le corps. C'est quoi ça? Non mais attendez, mais y'a de plus en plus de trucs, mais y'a des trucs insane ici. Tu veux que j'invente comment? Mais what? C'est insane ce qui se passe dans les donjons. Alors attendez. Mystérieux étranger et boutique. Mystérieux étranger parcourt ses îles et récupère des objets d'un peu partout. Il pourra vous vendre ou acheter des objets en échange de doublons. Les objets détient les clés qui permettent de quitter l'île. Ah. Bonjour. Salut, boutique. Bienvenue, vous avez trouvé la mystérieuse boutique. Cette stratégie marketing à base de messages dans une bouteille commence vraiment à porter ses fruits. Ok. Depuis mon aéronef, je ne cherche que les meilleurs articles. Les objets que je vends vous aident dans vos aventures et vous tenez mon affaire. Ok. Alors. Ah, il faut que je lui donne 3 cordes. Bah attends, on va aller. J'en ai des cordes. Je les ai déposées juste à là, juste devant le donjon. Vivre dans un donjon. Ah, il fait nuit en plus. Oh là là. Attends, je l'ai pas déposé là. Attendez. Ah, il fallait que j'en fasse un. Où est-ce que j'ai mis mes cordes? Ouais, il faut que j'en fasse. Je vais en faire. Il en voulait combien? 3. Il en voulait 3 et il me faut 2 battes. Parce que je vais donner une batte à mes singes, à mon singe. Il y en a un qui en a pas. Pour qu'il puisse se battre avec moi. Et ce faisant, que ça soit plus simple pour aller dans les donjons. Je vais déposer le drone ici. Je vais récupérer les cordes. Je vais faire 2 battes de baseball là. Bah, j'en fais une. J'en fais une deuxième. Gourdin en bois. J'en récupère un. Je vais le donner à lui. Oui, alors il en avait déjà un. Toi, t'en as un ou pas? Toi, t'en as déjà un aussi. Lui, donner objet. Voilà, c'est bon. Chacun de mes 3 singes a une batte de baseball qui lui permettra, eh bien, de m'aider dans le donjon. Ensuite, je récupère le fil. Je vais même en refaire un. Je vais aller voir le mec qui est en bas, là. Et lui donner ça pour voir... Attends, c'est quoi la petite bouteille, là? Qu'est-ce qu'il me dit? Il vous faut une boue ou du sable. Utilisez une pelle quand vous aurez trouvé une prairie ou sur la plage. En jouant de la pelle dans les zones les plus chaudes et plus sales, vous trouverez des galets. Yes. Ok. Alors attends. Boutique. Récompense. Une longue vue. Révèle les terres lointaines en route vers l'aventure. Je vais donner les cordes. Ok. Je vais lui donner des cordes.
remettre. Et en plus, il me donne de l'argent. Votre récompense a été mise en sécurité dans la boîte à récompense attachée au ballon du mystérieux étranger. Rejoignez-le pour la récupérer. Ok. Alors, ah, ils vendent plein de trucs. Un coffre mystérieux, une épée en métal. Ah, un arc. Oh là là. Maillet robuste, hache légère, lance en or. Oh, les clés du sang. Waouh. Ah oui, c'est les clés de labyrinthe. Ça vaut hyper cher. Ok. Et c'est quoi ça? Carte au trésor. Ah, c'est plein de cartes au trésor. Fais voir. Ok. Une carte au trésor est ajoutée à votre journal. C'est quoi ça, coffre mystérieux? Vous avez obtenu un coffre mystérieux. Ce coffre vous suit dans n'importe quelle partie multijoueur. Vous pourrez amener hors de votre monde tous les objets placés dedans et les faire apparaître dans un autre monde. Excellent. Ok. Alors, je vais acheter une lance pour aller dans le donjon. Feuille de verre. Kebab aux fruits. Waouh, mais c'est trop cool. Attends, par contre. Du coup, je peux mettre des choses dedans? Ah, je peux mettre plein de trucs dedans. Attends. Ok. Bah attends, je vais stocker des trucs pour moi. Ça me permettra de pas les avoir sur moi. Et comme ça, au moins, je sais où le trouver facilement. Mon petit coffre. Et du coup, je peux le porter et le mettre près de mon camp après. Ah, ça va être chouette. Je ferai ça. Je ferai ça. Alors, dans... Oh là là, mais ce jeu est hyper complet. Sélectionnez la longue vue, puis maintenez Y pour viser. Vous découvrir des régions du monde au moment de le relâcher. Il se peut même que vous découvriez une nouvelle île. Mais c'est exceptionnel, ça. Alors, attends, fais voir. Non, mais c'est hyper complet comme jeu. Va y voir. C'est excellent. Attends. Ah, j'adore. C'est pas mal, ça. Excellent. Ah, c'est pas, c'est intelligent. Ouvrir. Je vais la stocker pour l'instant. Et ça révèle la carte, ouais. Je vais laisser... Attends, je vais amener ça avec moi. On va le porter. Et à ce moment-là, on va aller devant le donjon. On va retenter le donjon. Et il faudra peut-être qu'on arrête cette vidéo aussi un moment, parce qu'elle va être hyper longue. Mais ça permet aussi de voir que... Et vous pouvez après construire des murs, construire votre petite maison, récupérer des singes qui vont vous aider, etc. etc. Et c'est trop cool. Attends, par contre, il faut que j'aille récupérer mon équipement. Où sont mes singes? Où sont mes singes? Ah, ils peuvent pas m'accompagner? Sérieux? Ok, donc les salles que j'ai clear, elles sont clear. Très bien. Ça m'arrange. Oula. C'est quoi ça? Attends. Oh vache. Oh bah non. Oh, ma lance, ça fait tellement mal. Excellent. Voilà, lance en or, en même temps, je l'ai acheté très cher. Attends. Là, y en a un autre. En plus, je peux attaquer de distance de ouf. Ah, par contre, j'ai plus beaucoup de vie. Ah, et puis en plus, Ah, punaise, je vais mourir. Vas-y, viens. Boum, 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 boum. Boum. Merde, je l'ai pas eu. Non. Non. Je me suis refait avoir, ma lance en or. Non, je peux pas terminer la vidéo sans avoir récupéré tout mon équipement. Faut que je récupère tout mon équipement avant de... Je ne quitterai pas cette vidéo sans avoir récupéré tout mon équipement, de toute façon. Ma lance dorée, qui est là. Attends. Viens ici, toi. Ah, il les invoque! Oh, la vache! Mais c'est pour ça qu'ils reviennent à chaque fois! C'était l'espèce de crâne! Oh, la salle terminée. Yes! Oh, on a réussi. On a réussi! Oh, le saloupio. Mais je comprenais pas. Je me disais, c'est chelou aussi. Attends. Alors, attends. Par contre, j'ai trop d'objets sur moi. Il y a plein de coffres. Il faut que je sorte d'ici. Je vais revenir. Je reviens, petit singe. Je reviens. Je vais juste aller stocker des trucs à l'extérieur. Je reviens, petit singe. Je reviens. Bouge pas. Le mec, mais c'est horrible, j'aurais pu le libérer en plus. C'est pas bien ce que je fais. C'est terrible. Je reviens, petit singe, je te laisse enfermer. Ah, un lingot d'or. Sert à fabriquer divers objets. Ok, j'ai une deuxième épée qui est là. Je vais d'abord utiliser celle-ci. C'est terrible ce que j'ai fait. Bouge pas, il est en cage. Oui, mais il risque pas de bouger. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Non, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Bah oui, il risquait pas d'aller très loin. Attends, je vais manger un peu. Ok. Ouvrir.
C'est vrai qu'il risquait pas d'aller très loin, le pauvre. Le pauvre. Attends, je vais tout stocker. Ouais, je sais. Allez, je récupère juste ça, au cas où. Bah, je pourrais donner les épées à mes singes après, ceux qui sont dehors. Ok, vas-y, go. On y retourne. Sanctuaire d'obsidienne. Bah, le premier sanctuaire a été clair, hein, premier donjon. J'avoue que bon, c'est pas très bien. J'avoue que c'est pas très bien de ma part, j'aurais pu le libérer avant. Attends, je récupère tous mes objets. Le mec prend, c'est horrible ce que je fais. Salut petit singe. Allez, viens. Oh là là, un singe dressé, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh là là, petit singe. Allez, viens, viens mon petit. Attends. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? Oh, de l'or. De l'or, de l'or, de l'or. Attends, je vais lui donner l'épée. Je vais donner l'épée au singe. Tiens, regarde. Tiens mon titi. Voilà, prends mon épée. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Des os. Ah, on a une pioche. Cool. Excellent. Excellent. Qu'est-ce qu'on a? Alors, encore une épée et tout. Il y a 50 milliards de choses ici. Choisir recette. Oh, je peux choisir n'importe quoi? Non. Ah non, il faut que je... Non, d'accord, il me faut des trucs pour les construire. Je me disais aussi, genre, je peux choisir n'importe quoi. Épée de feu. Lance de feu, hache du vent, cassé. Ah d'accord, c'est des choses cassées, je peux en choisir un. Pioche de terre, objet légendaire, cet objet est réparable. Ah non, j'en choisis vraiment un en fait. Épée de glace, lance du vent, je prends la lance de feu. Ah non, non, non d'accord, non, je pensais qu'il fallait que j'en choisisse un. Mais en fait, dans chaque donjon, je vais pouvoir récupérer des trucs. Ok, bon, faut que je ressorte et que je stocke tous mes objets. C'est excellent. Bon, du coup, j'ai une pioche pour récupérer sur des pierres. Tiens, est-ce que je peux faire ça? Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que quoi? Le monde a été réapprovisionné? Ah! Dis donc. Ah, d'accord, ça veut dire que... Non, mais c'est énorme. Par contre, de nuit, ça fait un peu peur, là. Ouvrir. Boue. Oh là, c'est excellent. Je me suis demandé ce qui se passait. Donc j'ai des lattes de bois pour faire ça. Oh, c'est génial. D'accord, où sont mes singes? Oh, j'adore. Alors, je vais amener... Tu sais quoi? Oh ouais, mais elle est loin, ma base. La base de tout à l'heure, elle est loin. Vaut mieux que je m'en fasse une nouvelle ici. Hein. Et si je me faisais une base à côté du... Oh, merde. Oh, putain, il y a des monstres. Oh, la vache. Attendez. Je vais lui demander de singer, imiter l'action du joueur. Vu qu'il a une épée, il pourra m'aider après. Normalement, dès que j'en bute un, il pourra m'aider. Ok, c'est bon. Allez, tuez les humains. Allez, vas-y, normalement tu peux m'aider là. Il va le voir, normalement il devrait l'attaquer. Regarde. Oh là là. Attaque-le, attaque-le. Mais pourquoi tu l'attaques pas? Ah. Ah, il l'attaque. J'aime mon singe. Oh, j'aime mon singe. Oh, you are the best. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce singe? Comment s'appelle ce singe? Il faut absolument qu'on trouve son nom. Pour le remercier. Comment s'appelles-tu? Comment s'appelles-tu? C'est mignon comme... Comment t'appelles-tu? Il s'appelle comment? Il s'appelle JP. Il s'appelle JP, bordel. Attends, on va l'appeler... On va lui changer de nom. On va le mettre en... On va le mettre en quelle couleur? On va le mettre en rouge. JP, ça sera notre singe de combat. Là. Je peux pas le nommer? Non, JP. JP, les singes de combat. Ce singe est un héros. Ce singe est un héros. Retenez bien. Par contre, on voit rien. On va aller près du... ce singe est un héros. On va aller près du mec là-bas. Et on va se faire... Ah! Ah! Très bien! Ok, super. Le soleil s'est levé. Il faudrait que je me fasse un camp de fortune ici. Ah, j'ai pas de clous. Attends, on va essayer de faire ça ici. Il me manque quoi? Il me manque ça. Il me manque ça. Il me manque de la paille et des feuilles. Je dois en avoir dedans. Voilà, feuilles. Et paille. Ok, on est bon. Il me faut ça. C'est le seul qui débarque. Ajouter. Il me faut mon... je l'ai mis ici. Oh là, mais effectivement, à partir du moment où tu avances dans le jeu, effectivement, le jeu prend une toute autre tournure. Hein. Ça, c'est clairement le jour et la nuit. Hein. Ok, il me faut des draps. Donc, les draps, c'est ici. On va faire des draps. Hop, on met les draps, ajouter, sauvegarder ou dormir, on sauvegarde, et ça va être la fin
de cette première vidéo sur The Survivalist. J'espère que vous l'aurez kiffé, vous me direz sur et dans les commentaires si vous voulez la suite ou pas, mais ça peut être une aventure plutôt cool en vrai. C'est des maps et donjons générés procéduralement. Ouais, ça, alors les donjons, je sais pas, mais en tout cas, la map est générée procéduralement et ça, c'est vraiment très cool, apparemment. Hey, hey,